Salut, de retour sur la chaîne et sur le blog, j'espère que vous allez bien. Alors au niveau de ma préparation, ça avance. J'ai rattrapé le retard que j'avais pris lorsque j'ai déménagé, puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai changé de domicile, j'ai acquis une nouvelle BAD. Donc après le déménagement, j'avais fait un pas en arrière dans ma préparation. J'ai rattrapé le retard largement, donc c'est en bonne voie, il y a des projets en cours, etc. Je n'hésiterai pas à partager tout ça avec vous. Pour le moment, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de choses à faire. Et la priorité, c'est évidemment ma préparation. Et alors, lorsque je serai prêt, je vous présenterai des vidéos pour vous exposer un petit peu ce que j'ai mis en place. Alors, qui dit nouvelle BAD, nouveau lieu, il faut aussi revoir tout ce qui est plan d'évacuation, les itinéraires, etc. Alors, travailler sur base de cartes, sur base également de Google Maps, très bon outil Google Maps, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi aller sur le terrain, aller voir dans quel état sont les routes exactement, éventuellement en trouver des nouvelles qu'on n'avait pas pu identifier. Il faut également repérer les points d'eau, puisque même en faisant des recherches, parfois on est étonné, on découvre qu'il y a des ruisseaux là où on ne s'y attendait pas. Et c'était le cas justement cette fois-ci. J'ai trouvé un ruisseau vraiment extrêmement proche de chez moi. À pied, je peux y être en moins de 3 minutes. Un endroit où je pourrais éventuellement aller chercher de l'eau et la rapatrier dans ma BAD, même à pied. Donc ça, c'est très intéressant. Et cet endroit, je l'ai trouvé en allant voir moi-même. Je ne savais pas qu'il était là. Donc, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on est samedi. J'ai profité du début d'après-midi pour aller faire un petit peu de repérage, un petit peu à pied, un petit peu en véhicule. Et alors, j'en ai profité pour filmer un petit peu, histoire de vous exposer l'environnement aux alentours de ma BAD. Sans rentrer dans les détails, je n'ai pas filmé de bâtiment, etc. Mais la vidéo que je vais vous présenter ici vous permettra de voir un petit peu l'environnement extrêmement rural pour lequel j'ai opté. Je vous en avais déjà parlé. Donc j'ai essayé de faire des plans de caméra intéressants. C'est pas facile parce que je suis tout seul. Donc je ne peux pas me permettre non plus d'aller abandonner ma caméra pour faire des magnifiques plans. Enfin, ceux qui font des vidéos comprendront ce que je veux dire. J'en ai profité pour faire ça aujourd'hui et pour tourner mes petites séquences, puisque dans mon coin c'est assez tranquille, hein. Pas beaucoup de monde, pas beaucoup de circulation, pas beaucoup de personnes, de temps en temps des promeneurs. Donc ça me laisse tout le loisir de pouvoir déposer ma caméra et tenter de faire une vidéo la plus amusante possible. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je reviendrai très prochainement avec une vidéo explicative. J'en ai 2-3 qui sont sur le feu actuellement. J'ai simplement besoin du temps de les tourner. Et alors, je vous exposerai ça. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus et surtout, gardez bien les yeux ouverts. Ciao.